La police cassé maintenant, mais plusieurs bandits, je ne veux dire là, mais c'est une là-dedans qui boit de l'eau bouche li, qui fait voile pour payer son chapeau. Alors des individus armés eux-mêmes, ils ont braqué, cassé pour être moun, dans zone Crissoua, je dis là, et mettez vendant voile yo, eh ben, quatre nèg sa yo, ils ont pral tombé sur une patrouille policière dans zone Lalu. Qui yo même d'après un échange de tir avec la police, eh ben gen youn nan quatre bandits sa yo même qui brèd l'eau bouche li, qui fait voile pour payer sans chapeau, monsieur ben ensemble là sous trottoir bol à rien avec un bout de pantalon, bout de jeans bleu sous lit et puis un maillot à fleurs sous lit, yon valise nan dol et puis un gros am fan foi bon côté là avec tout un 9 mm. Est-ce que tout des am ça ont dans mel non pas connait, mais que deux gros am là bon côté on marche long à on marche court. Donc là la police fait monsieur faire voile pour payer sans chapeau, mais gen trois autres qui te gen tan mit van an voil yo. Gen trois lot qui te gen tan chapé pou yo parce que c'était au 4 hein qui te prend la fuite à bord de un jeep ou anglais selon information. Rive jwenn nou et nèg yo même y a le pantan son patrouille la police échange de tir, trois sauvé, yon mouri. Ali même li rete. Trois lot nèg yo ka tout repenti ou bien yo ka continuer casser pour être moun, continuer voler, continuer braquer moun ou bien faire kidnapping. Eh ben Gren sa li même yo prend mission monsieur fini sous la terre. Mission bandi monsieur fini, mission volé monsieur fini sous la terre. A gros rosil bon côté la police topel fanatique Jokanel journal 9. Avec les nous tout en pile coup de balle chanté jodia dans zone Canaan. Gen moun ki di c'est la police ak bandi k'ap tire parce que Canaan vin au côté là qui très fragile. Côté nèg exam des individus armés ou même de temps en temps y a détourné camion marchandises dans zone Canaan 70 Canaan 50. Donc là zone Canaan pile coup de balle t'a pété jodi a là et n'a vinn a plus information pour mais qui dendo Eddie One ben DEA débarqué jodi a dans pays hein vinn prend Eddie One yo aller avec lui gè moun ki konn non ça longtemps. Ben Eddie One, il était gen mandat d'elle pour causer trafic de drogue. Ben il était joine arrestation ça gagne quelques semaines. Ben jodi an là, DEA est débarqué dans un petit avion qui semble avec petit avion devine prendre Philippe là et même petit avion ça. Même petit avion devine prendre Philippe, il fait le monter avion, redescendre Emiliel. Ben blanc au même dit et il vient prendre Eddie One jodi an là et on mettait le camper, fait le faire photo sur Eddie One hein. Eddie One k'ap souri nan photo tant qu'on est qui va aller faire voyage touriste oui. Eddie One k'ap amen note li nan même c'est belle souris sou lèv li oui. Belle souris tant qu'on est qui va aller en voyage touristique. Donc là et gros causé bagay ça fanatique Jokanel journal 9. Donc Eddie One débarqué là et il prend Eddie One y aller avec lui. Donc États-Unis pas quitter les ouais c'est gros dealer drogue États-Unis pas quitter on amène nous là États-Unis qu'on va ouais prison vrai ou pas une justice vrai alors dans les déclarer on sac l'argent là le bail juge là il dit et puis il dit juge là on sac l'argent et puis il dit juge là qu'est-ce ça dans mon toujours et puis on en dit là que juge content signe libération rapide vous voyez libérer ça vous voyez ou pas carré dans prison c'est bon déclarer on sac l'argent bah et puis le qu'est-ce ça toujours. Donc là pays tant que États-Unis côté gain justice indépendante vrai hein, yo pas servi comme ça. Là yo gen type de moun sa yo pas quitté en amour parce que yo konn pas un système qui ka juger nèg la condamnel. Yo konn pas un système ça. Vous comprenez? Donc là, Eddie One lui-même li accompagné et monsieur DEA yo qui était venu chercher pour menel dans pays américain, n'a pas rappelé monsieur te gen mandat d'elle pour causer trafic drogue fanatique Jokanel journal 9. Donc c'est comme ça bagala li même lié après Guy Philippe qui lui même toujours dans prison. Eh ben c'est Eddie One gè moun ki di Jean Eddie One a pris à puis gars c'est et konnen ki ta konn sa le faire non a nèg yo États-Unis son pays comme ça de pou décider collaborer. Eh ben yo pa serré boulon jan ou ta serré boulon nan ou ta saisi ou te ka fait 20 ans prison ouais et 5 ans fait. De pou décider collaborer bay l'autre nèg ou prendre ki nan filière ki nan bay drogue lan bay l'autre nèg ki nan système nan ob saisi ouais au lieu pou ta faire 20 ans
Hein, ouais, c'est 5 ans seulement fait. Il aurait dû en peine pour vous. Donc, il y a un monde qui semble c'est ça qui fait et dit on a pris comme ça. Il est en connaît, il pas loin la guerre parce qu'il pourrait collaborer, il pourrait bailler l'autre monde qui est dans d'autres. Bon, en tout cas, ça reste à suivre. Ça reste à suivre, fanatique, Joe Canel, Journal 9. Ah ben, Kidendo, Pierre Espérance, monsieur accusé, ancien président Michel Martelly. Selon Pierre Espérance, Michel Martelly lui-même participait dans une réunion et fait complot pour t'avouer assassiner. Gros cause, papa. Gros cause, Pierre Espérance dit que parrain, donc on est sinon ça parrain, il a parlé de assassinat et Jovenel Moïse parrain dans c'est Martelly. Mais il dit parrain fait réunion pour vous tuer. Gros cause, tu Pierre prend ça très au sérieux. Oui. Entendez ti Pierre qui a parlé sous cause ça, qui bon réunion fait et pour qui ça, il t'a voulu faire quoi que eh ben il fait qu'on est que Martelly, ancien président Martelly voulait faire tuer fanatique Joe Canel, Journal 9. Parrain et 3 mois avant l'assassinat et Fiel là et parrain lundi parrain Joseph Michel Martelly lui fait une réunion et Miami avec quelques monde pour faire attaquer RDDH et particulièrement pour faire assassiner lui vient grand Fiel là et puis ça vient noter et comme lui vient sentir confortable après le film fait assassiner Fiel là. En janvier, encore, on est M. Sonel, qui en général passe plus de temps dans le pays, le deuxième pays, les États-Unis et Haïti. Il est venu en Haïti dans le mois de janvier, il est reparti le 3 février. Et il est rentré. Bon, il dit à l'équipe, lui, le gros cadeau qui a parlé pour l'anniversaire de moi, février, hein, c'est tout et moi. Et il était prêt à faire ça avant 7 février. Mais nous, là. Et mon dernier, monsieur, la Kaeli, il vient tourner en Haïti dans le mois de mars. Et pendant la grande réunion qui fait, le 16 mars, alors lundi pendant la pays, il fait le 16 mars dans le studio et Kenskov, la caille Mbao et PHTK qui toujours et travaille en pile avec autorité conseil de yo. Et nous-mêmes ça nous fait. Nous écrivons lettre pour évaluer le CPJ. Nous avons des informations sur la machine, la plaque et les gens qui étaient là dans la réunion. Lettre ça allait depuis le 18 mars. Et pourquoi j'aime chita avec nous pour nous avoir plus d'informations. Nous-mêmes, ça nous a fait. Nous avons tout dénoncé et comme des gens tout puissants. Yo gen gang yo dans 5 pays, yo nan banalise la vie moun, et comme yo confortable jour et jour avec et pouvoir et Ariel là, c'est eux qui mettez. Donc, yo vle attaquer nous, nan continue bataille. Nous pas pour mourir à genoux, nan mourir de nous. Selon vous-même, nous ne pouvons pas vivre à genoux, nous ne pouvons pas debout. Parce que vivre à genoux, ça veut dire qu'on va mourir. Selon vous-même, M. Espérance, qui sa volonté ça pour assassiner les membres de la RDDH, notamment vous-même, est-ce que vous pensez que c'est des prises de position que l'organisation nous rencontre ou bien est-ce que ce sont des problèmes directement que parrain n'a pas parlé à Gagné? Bon, je pense que nous tous qui là, nous, comme journalistes, nous travaillons avec la RDDH. La RDDH est une organisation qui a bataille pour la société Achita. Sur l'état des droits, dans la bataille contre l'impunité, dans la bataille contre la gangsterisation du pays, qui dans sa PHTK, mettez-nous là, dans la bataille contre l'impunité. Donc, bon, Fiel là, qui a servi par un servi là, où elle fait assassiner. Donc, vous estimez que il faut faire un mouvement pour écraser RNDDH. Mais nous, c'est RNDDH, nous, c'est Roseau.
Nous, on sent des questions sur si avons assassiné un jeune homme, ça c'est la justice. Non, c'est pas ça que la justice. Allez lire le rapport de CPJ. Gardez pour qui ça enquête pour les judiciaires bloqué. Et gardez les gens qui planifient le crime, le cerveau au crime ou après qui m'ont dit. Nous avons des informations. Nous menons une enquête, nous avons des dossiers. Et nous disons par un assassinat. Monsieur Spiros, oui. Qui sont pour les deux ont été injectés les capadol dans le dossier Nouveau Capadol? En qui est Palacios plutôt, parce que Palacios est plus important. Parce que vous connaissez Palacios. Alors, Colombien, vous êtes environ vingtaine. Vous êtes formé quatre groupes. Et chaque groupe, vous avez cinq là-dedans. Le groupe Palacios, là, il était relé et Delta. Et c'est eux-mêmes qui sont entrés dans le Kaila qui assassinaient Jovenel Moïse et c'est eux-mêmes qui font la première photo. Donc, nous-mêmes, ça, nous avons fait. Nous, c'est partisans État des droits. Nous, c'est RNDDH. Nous, contre la banalisation de la vie, nous avons fait une bataille et pas de aucun monde qui est capable de faire même chose. La vie. Et qui vous avez fait la même chose? Et pas une. C'est pas une qui. Bah, l'autre pour assassiner. On qui est-ce qui parle? Non. Joseph Michel Matéli. Ah. Parrain d'assassinat de l'ordre là. Alors, c'est pas un qui bat l'autre. Il est entré, il fait réunion, il m'a dit pour exécuter. Bon, nous même ça, nous pas fait. Nous avons une institution qui a pour là, qui a pour ça. Nous avons information. Et si vous voulez faire travail, il y a une chita avec nous. Pour nous avoir plus d'informations que nous gagnons tout, toujours. C'est ça le café. Mais c'est pas un an. C'est pas un an qui est assassinat. Voilà, déclaration. Pierre Espérance qui lui-même fait connaître que Martelly fait réunion pour voir assassiner, pour voir tuer par un an. Monsieur Claire, Monsieur Claire, lui-même, il y a information que Martelly impliqué, oui. Non, assassinat Jovenel Moïse. Il dit, on juge qui sous dossier, soit vous posez la question, vous posez la question, relève pour vous faire ça comme information. Mais il dit, les mêmes clés, il y a bon bagage que Martelly, ancien président Michel Martelly, impliqué dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Bah, yo red. Bah, yo red. Eh bien, gagne tout, et pas Pierre Espérance qui fait sauter ça seulement. Gagne tout, Fidel Moshe qui font sauter tout, ancien ministre intérieur, qui fait qu'on est que, eh bien, il a planifié pour kidnapper, et pour kidnapper plusieurs autres monde. Et qui est-ce qui a des gros planifications kidnapping ça? C'est Pierre Espérance qu'on s'entendait là. Et ça, Fidel Moshe dit. Ah, lui, Fidel Moshe, il a son nègre. Et États-Unis te mettent sous liste noire pour question massacre la saline. États-Unis te mettent Fidel Moshe sous liste noire. Entendre Fidel Moshe. On te fait allusion avec Babiku parce que non monsieur te cite avec que pas connu monsieur du tout. Mais m'a cherché qu'on est qui ça me vient. Premièrement, m'te joindre notre déclaration Babiku. Côté que monsieur expliqué Pierre Espérance voyait un monde venir contacter ça sur tout réseau. Pour faire qui ça? Au fil de l'argent et armes. Pour lui arriver à assassiner Marie-Hélène. Un homme qui se donne comme titre défenseur d'Ouamoun. Les barbecues disent ça, et moi qui t'ai contacté là, son corps disciple. Donc moi-même, moi, entendez ça. Et puis ça me fait moi-même, m'a approfondi un ensemble de bagailles dans ce sens-là. Et moi, je lis quelque part sur le téléphone que je fais. En pile confiance, un message qui arrive jeune Marie-Hélène. Mais ça a dit qui ça? Ou même avec expérience, nous sommes deux bons amis. Ok? Mais nous sommes deux bons amis pour moi. Mais moi-même, m'oblige avec tout. De un bagage. Il y a un travail qui a fait là pour recruter Barbecue pour assassiner. Il y a avant Barbecue quand tu répétais ça. Et dans le cas où Barbecue n'est pas d'accord, il y a deux bagages qui ont prévu. Ou bien aller en prison, ou bien les mourir. Je me rends compte que ce n'est pas le travail des droits humains qui a fait. Parce que les droits humains, c'est un autre bagaille. Donc, à ce niveau, nous disons que monsieur et joué une sorte de méchanceté. La carrière qui était un certificat dans ce sens. Donc, je dis que ça, il faut que vous fassiez lumière sur lui. L'autre bagaille encore. Moi, ouais, monsieur Espérance, on sort de velléité, la pompée
sous affaire Jovenel. Mais pas oublier que toute rencontre qui fait dans ce sens-là, pile qui fait toute l'expérience, conférence qui fait pour madame Coq, qui a dit le pas dans massacre, qui va dans l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est qu'il y a une expérience qui est faite. Ok? Vos paquets, l'autre manœuvre, manigette qui fait encore, est là. Il fait. Il y a même monde que la justice est grande indexée, puis il y a espérance, acheter téléphone, bah, lui faire marron, bah, l'argent. Et il y a 10 monsieur, mission accomplie, par les nationales, tête droite. Donc, sous bah, ça, nous dit que nous pas qu'à quitter société à plus que 20 ans. On monde comme ça a détruit en population a détruit monde côté que lui-même l'ont récupéré lui seulement qu'on est il saute la gonave il vient faire un job de pacotilleur zone anti gang il était arrêté le bastonner lui et puis donc faut lui prendre il doit défendre droit mais défenseur droit même c'est un tout dans l'école c'est tout un c'est un bagage académique et à regarder pour tout le monde qui a fait ce travail ça donc et dans ce sens ça nous même nous dit que ne pas tolérer ça. Et comme tu as gagné pour te enlever un ensemble de monde, dont moi-même, je prends responsabilité. Parce que là, pas gagné deux vies sur la terre, qu'on seul. Donc, pas de forme défendue. Et empêcher l'autre monde qu'on est même sur ça. Dans la démarche que nous avons fait, dans ça, nous avons dit pour les gens qui étaient en dedans, groupe malfois ça, nous toujours prenons exemple David Domé ou David Doméus. Comme on connaît que la terre est en Dabissap, et mon écrit ministre et environnement, pour me dire, maintenant qu'il y a un d'action, que y a un agent qui est l'institution là, impliqué, et que M. Kamete est disponible pour que la justice ou bien le commissaire du gouvernement auditionne ou bien tende. Donc, dans ce sens-là, correspondant à ça, nous voulons aller hier. Pour nous arriver à dernier point de conférence, c'est en ce qui a été à mon avis pour terminer. Démarche que je fais moi-même, je informe la majorité de Mounsaro pour prendre disposition pour sécuriser tête moi-même, pour défendre tête, pour prudent dans ce sens-là, parce que les gens qui ont fait kidnapper là, ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas. Les gens qui ont planifié pour kidnapper là, ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas. Ce sont des gens qui connaissent, ce sont des gens qui habituent à voir. Parfois, on a dormi dans le même côté avant. Ce sont des gens qui sont dans la même institution avant. Ce sont des gens qui sont déplacés avant. Donc, dans ce sens-là, vous attendez, je parle avec presque tout le monde là. Et ça ne m'est pas arrivé à joindre. Je fais contact par personne interposée. Par exemple, dans la liste que je suis là, en attendant, il y a un monde pour Printemps Bélizé qui sont anciens députés. Non, monsieur, sur la liste, dans la planification, monsieur. Donc, pour un autre coup, Jojo Loquet, Fidel Mouchil, Rosemont Jean, Rosemila Petit Frère Saint-Ville, Majorie Michel, Louco Désir, Lionel Lajoie, personnel ça a plus que 80 années, son ancien ministre sous gouvernement Duvalier, je crois, qui c'est famille, grand nom, et de la joie, et dernier, c'est Marvel Dandy. Mais c'est une liste que Malfrayo a planifié. Pour enlever Mounsaïo, pour créer panique, nuisance. Et nous-mêmes, nous disons que nous prenons responsabilité pour dossier ça à la justice, avec témoignage que nous gagnons, avec témoins que nous gagnons et information que nous disposons. Donc nous voulons rendre ça public pour la presse. Merci. Voilà, déclaration Fidel Mouchéri, hein, qui vient qu'on ait planifié pour kidnapper plusieurs autres monde, donc Majorie Michel, l'autre monde encore, et c'est ta Pierre Espérance qui t'a causé ça, fanatique Joe Canel, Journal 9, en pile cause, en pile parole de la République. En tout cas, Fidel Mouchéri, je ne dis pas ça, Pierre-Richard Duplan, États-Unis, t'es mettez sous liste noire, barbecue tout, pour causer massacre, la saline. Là, il y a un monde qui dit, bon, Fidel Mouchéri, on est qui t'a dans prison, voilà qui t'a de débat, ou bien qu'on a le paré devant monde, figui monde, a parlé, pointé monde du doigt, alors que lui-même, il t'a de dans prison. On est qui t'a de débat, ou bien monter, descendre devant la justice. Donc là, c'est comme ça, pays d'Haïti, lui-même, lié, fanatique, Joe Canel. Journal 9, ou qu'on formule là déjà, si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour qu'à toujours recevoir notification yo. Chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille neuf pour nous
un Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail ça. N'ap campé là avec vidéo aussi là.